C'est un match important comme là, c'est Ajaccio, c'est un match important. Le premier et le dernier de la saison. Ils vont attaquer match à match et ils vont faire ça pour les derniers six. Parce que rien ne va changer si on ne gagne pas notre match. C'est bon qu'on continue à enchaîner points, maximum de points, et c'est ça, demain, chercher les trois points. On reste concentré, on attaque le match, maximum de concentration. Un match, c'est important de dire, un match, c'est un adversaire que vous connaissez. Une équipe qui sous l'objectif clair de monter, c'est la 12e année pour monter, n'a pas entré sur le play-off, regarde la difficulté, la concurrence qu'il y a à Ligue 2. Une équipe comme Lorient, qui la dernière saison n'a pas entré sur le play-off, ça se confirme aussi le travail de mon joueur sur le terrain. Pour la difficulté. Et ça une équipe n'a pas besoin de faire la présentation. Une des meilleures équipes offensivement, une équipe vraiment équilibrée. Mais, comme je disais avant, vraiment, le plus important, c'est comme nous allons entrer sur le match. Pour nous, c'est une bonne position qu'on prenne avec toute la responsabilité, mais aussi avec le maximum d'ambition. Parce que c'est très, très bon. Et heureusement, j'ai centré ça avec mon ancien club ici aussi. J'ai lutté jusqu'à la fin aussi pour monter. C'est magnifique. Hein. Lutter pour la place de monter, c'est tout le temps magnifique. Mais c'est un chemin qu'on a besoin de faire les derniers six matchs. Tout le club, président, tout le staff, joueurs, nous, staff technique, et vous, journalistes, qui sont le cœur aussi de la ville. Aussi, on a besoin de vous et bien sûr, les supporters.